Hey yo les Jellies, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui me fait méga plaisir parce que on va tout simplement réouvrir des boosters que j'ouvrais quand j'étais gamin, hein, tout simplement. Quand j'étais gosse, j'ai pas ouvert beaucoup de boosters, je me rappelle d'avoir ouvert des légendes du dragon blanc parce que je m'étais abonné à Maniac Magazine, hein, ou Dragon Blanc Magazine, je sais plus comme ça, mais j'en avais 10, donc aujourd'hui je regrette de les avoir ouverts vu le prix que ça vaut et puis vu la coolité entre guillemets de ces boosters là. Et puis après j'avais pas mal ouvert de boosters GX parce que c'était l'ère GX déjà, et aujourd'hui on va se rouvrir des boosters, ces boosters là que j'ai ouvert quand j'étais gamin. Donc c'est tout simplement ces petits packs là. Donc on a deux packs, je crois que c'est pack du dueliste avec le pack de Aster Phoenix et le pack de Jaden. Ici on a puissance du dueliste où on retrouve genre 20 ultimates pour 70 cartes, un truc comme ça. Et ici on a le pack édition spéciale. Ça rappelle beaucoup beaucoup le pack espagnol, je vous mets le lien ici normalement, ou là, je sais jamais quel côté c'est, que j'avais ouvert il y a quelques temps, où on avait déjà ce pack exclusif où on sait à l'intérieur il y a les trois dieux égyptiens, les trois sphinx et quatre autres cartes aléatoires, dont deux dans le paquet, dont quatre sur quatre dans l'extension, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai tout simplement pris, parce que c'était vraiment trop cool, hein. Je l'ai pris en triple exemplaire. Je les ai achetés genre 8 euros unité sur Amazon, un truc comme ça. Je vous mets le lien dans la description. Donc n'hésitez pas à checker si ça vous pose pas de problème. Si c'est peu cher, que c'est encore scellé, etc., c'est tout simplement parce que c'est des cartes espagnoles. Donc encore une fois, moi je le dis, ça me pose pas de problème d'ouvrir de l'espagnol. J'ai même pas fait espagnol à l'école, mais en soi les cartes on les connaît tous plus ou moins. Après c'est vrai que pour ceux qui collectionnent du français, bah effectivement c'est de l'espagnol, donc c'est moins cool. Bref, j'ai assez blablaté, ça fait presque 2 minutes que je vous parle. On va passer sans plus attendre sur la deuxième caméra et on va aller s'ouvrir tout ça. Donc j'ai les trois packs scellés ici, donc voilà, on voit bien que c'est de l'espagnol, hein. Mini Precio. Si quelqu'un sait ce que ça veut dire, j'aurais pu regarder avant de faire l'ouverture. Ici on a quelques petites infos. Et puis voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que voilà, je vous montre mon super couteau. Hop, on va les ouvrir tout simplement. Je fais gaffe à pas me blesser. Hop. Pour le coup, vraiment, je m'en fiche un petit peu du bundle, je vais pas les garder scellés, ça m'intéresse pas du tout. Déjà d'une part, j'aime pas vraiment les produits scellés, je suis beaucoup trop impatient pour garder des produits scellés. Ce que j'aime bien, c'est juste ouvrir les boosters proprement, donc je ferai gaffe d'ouvrir les boosters proprement parce que je garde les boosters qui ne sont pas abîmés, tout simplement. J'essaie d'en garder au moins un par extension. Je m'excuse si vous tapez le son infâme de l'ouverture des boosters. Je voulais les ouvrir avant, après je me suis dit mais c'est moins fun si c'est pas scellé en fait, tout simplement. Donc voilà, là on a tous nos boosters, on va les hop les retirer des petites protections. Tac. Alors c'est vrai qu'on m'avait fait la réflexion parce que je me posais la question, les boosters espagnols sont plus grands que les boosters français, ça rappelle vachement les boosters OCG en fait, tout simplement. Merde, bah putain, celui-là il veut vraiment pas venir quoi. Ah, ça l'a un peu ouvert, je crois. Ok. Donc, on a. Ah, il y a la colle derrière, c'est infâme, je déteste ça. Ah, ils sont tous collés du coup là. Donc, ça c'est un booster Jaden. J'ai peur qu'il s'ouvre. Aster Phoenix, j'ai peur qu'il s'ouvre entre à cause de la colle en fait. Hop. Tac. Tac. Le troisième là-haut. Là. Là et là. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se les ouvrir dans l'ordre par paquet. C'est dans cette extension là qu'il y a une vingtaine d'ultimates, notamment des ultimates grave cool, du style la fusion roïde, sous-marin roïde, dogma, voilà, plein de cartes méga cool. Donc l'objectif, ça va être essayer de, sur ces 9 petites cartes, de drop sur, donc du coup ces 3 paquets, d'essayer de drop au moins une ultimate. Ça serait cool, vraiment ça me ferait plaisir. Dogma si possible, ça serait vraiment le meilleur truc du monde. Et puis après, bah, dans ces extensions là, il n'y a rien d'extraordinaire. Je me demande s'il n'y a pas une réédition d'un oiseau de feu, je crois. Et ici, bah, on retrouve du héros de la destinée avec... Alors, j'aimerais bien avoir un petit fonceur. Fonceur, c'était une carte cool à l'époque. Et puis ceux-là, bah, on les connaît, hein, c'est tout simplement les boosters avec, bah, on le voit derrière, Tenen le grand sphinx. Donc voilà, et bah, écoutez, on va se commencer par les boosters Aster Phoenix du coup. Tac. Ah, ils sont insane à ouvrir. What? Ah merde alors, j'arrive pas à les ouvrir, je vais essayer de mettre un petit coup de couteau. En faisant gaffe à pas niquer les cartes, tant pis pour
Tant pis pour le booster, hein, on espère que les autres ça se passera mieux. Donc derrière on a les petites cartes, ça c'était vraiment trop cool, je les collectionnais quand j'étais gamin. Les petites cartes qui expliquent des stratégies en fait tout simplement, qui permettent des combos assez sympas. Destruction de la destinée, je me rappelle plus du nom, un héros de la destinée, un héros de la destinée et une petite rare dans ce premier paquet. Oh la colle derrière les boosters, c'est vraiment infâme. En plus c'est pas de la colle de PD quoi, c'est vraiment de la colle... J'ai rien contre les PD, évidemment, c'est une... Hop, c'est vraiment une colle qui colle vraiment bien, quoi. Bon, ben, je sens qu'on va être obligé de défoncer tous les boosters. Alors, une carte, c'est... Ah, ça, c'était grave cool. Oh, le petit défenseur. Stylé, le défenseur, il est cool, pour le coup. Oh, ça c'est grave cool. Donc là, ça nous montre toutes les cartes, en fait, qui sont... disponibles dans l'extension. Franchement, ça c'est grave cool. Hop, donc une seconde rare dans ce booster là. Je sais pas s'il y a des ultras dans cette édition là. Je sais que c'était pas exceptionnel en termes de rareté à l'époque. Après, les héros de la destinée, enfin j'adore ça. D'ailleurs, j'ai un deck héros de la destinée. Héros masqué, du coup. Mais du coup, c'était sympa. Signal de la destinée, le capitaine, la chaîne. Oh, stylé, le fonceur, j'avais dit tout à l'heure. Et la tour de l'horloge. Attends, j'ai cru que c'était une... C'est juste une rare. Ok, eh ben c'était grave cool. Franchement, on a chopé bon 3 rares, du coup, c'est pas exceptionnel. Mais j'avais dit que j'aimerais bien avoir fonceur. On a eu fonceur, et ça c'est plutôt cool. Parce qu'à l'époque, c'était vraiment... Enfin, c'est toujours une carte super forte, hein. Mais du coup, voilà. Ok, on va aller s'ouvrir les boosters de Jaden, du coup. On va recommencer, hein, la petite wishlist. J'aimerais bien avoir au moins de feu. On sait jamais, des fois que ça marche, vu que ça marchait pour fonceur. Hop. Alors, oh bah Neos. Bon, allez hop, ça commence bien, un petit Neos. R. Ok, une première fusion. Flash Hero, grave cool. Et, ok, le petit Scarabée. Et derrière, on a la carte... La carte de stratégie. Je vais pas réussir à en ouvrir un seul comme il faut. Enfin, je veux dire, il n'y a pas une technique ou quelque chose qui... Je suis pas apprenti ouverture ouvre. Ok, bon, celui-là s'ouvre. Bon, il s'ouvre... Bon, il est défoncé quand même. Putain, je suis deg. Bon, je les ai déjà, en fait. Donc, c'est pour ça que je prends moins le soin. Mais fichiers quand même. Barre d'arrêt de héros. Boomerang. E. Et je ne me rappelle plus de son nom, mais il est grave cool. Fine lame. Un truc du genre. Mais du coup, voilà. Bon, une seconde rare dans cette ouverture. Donc, c'est plutôt cool. Hop, oh, mais lui, j'ai réussi à le tailler nickel, quoi. Alors, le Ghost Hero, Nino, du coup, Hero Nino, du coup, le Ghost en espagnol. Putain, je vais réussir à finir une phrase. Ah, yes, un Neospace, et... Oh! Alors, style, alors ça, cette carte-là, franchement, elle est chaude à... Enfin, elle était chaude à choper, elle est toujours très difficile à trouver. Elle n'a pas été rééditée beaucoup de fois, en fait. Et du coup, c'est cool que je la chope. Bon, on a quand même eu 3 cartes plutôt sympas. Franchement, 2 Néospatiens et un héros élémentaire qui est cool. Donc ça, c'est plutôt sympa. On va aller s'ouvrir ces petits packs-là. Faites qu'il y ait de l'ultimate à l'intérieur. Franchement, ça serait grave cool. Ça me manque, les ultimates, les ghosts, tout ça, vraiment. Hein. Tout ça à cause des bouffons qui pèsent leur paquet. Franchement, c'est chiant. De l'alien, ok. Je me rappelle pas du nom de cette carte là. Du Jurassic. Ok, donc la carte est pas à la fin, je pense. Donc c'est une première rare. Ok, je pense qu'on aura rien d'autre. Du Roid. Et à nouveau un Neos. Ok, bon, on a eu qu'une seule rare dans ce booster là. On perd pas espoir. On a quand même eu 2 Neos, hein. Vraiment, on sent que c'est l'RGX en fait. Neos, monstre emblématique de GX. D'ailleurs, j'ai drop un Neos Arc-en-Ciel, il n'y a pas très longtemps, je me rappelle plus dans quel booster, mais c'était vraiment cool. Ah si, c'est dans la collection avec les bêtes, je vous mets le lien qui apparaît là. Super difficile à faire, vous vous rendez pas compte à quel point c'est chaud de gérer les caméras. Garage Roid, tac. C'est vrai que c'était l'époque aussi avec les dinosaures, j'ai du mal à parler. Donc on a notre rare, et derrière... Oh, on a exactement le même combo que tout à l'heure. Du coup, on a qu'une seule rare. What? Attendez, on dirait que c'est le même booster en vrai. Je les ai mises où? Je les ai mises là.
Putain, la fin, on dirait que c'est la même chose. C'est pas tout à fait les mêmes cartes, mais... C'était distribué pareil, du coup, visiblement. Est-ce que j'ai pas mis la rare avec? Donc, du coup, on aura eu un playset de... De Neos, dans cette petite ouverture d'Espagnol. Dernier booster. Franchement, si on pouvait choper une ultimate, ça serait tellement cool. C'est grave cool, les ultimates, tout le monde le sait. Et franchement, ça serait vraiment cool. Après, bon, c'est pas grave, hein, c'est une ouverture fun. Moi, ça me fait plaisir de trouver des cartes. Putain, on a encore la même carte. Ok. Ambulance ruine. Un héros la destinée. Oh non, c'est l'ultra. Non, c'est même pas, c'est la super. Oh, c'est pas grave, c'est un dogma, c'est cool. Mais du coup, c'est là, c'est pas... Et du coup, il y a qu'une seule rareté dans le booster. Putain, elle est grave belle. Franchement, dogma est super beau. Je la voulais vraiment en ultimate. Mais bon, c'est pas grave. Mais franchement, elle est grave cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Droïde, héros de la destinée et... Bon, bon. Et ben voilà. Hein. On a eu le petit dogma. Franchement, c'est cool parce que j'ai demandé dogma, je l'ai eu. J'ai demandé fonceur, je l'ai eu. On n'a pas eu d'homme oiseau de feu, c'est pas grave. Je suis même pas certain qu'il était édité, donc c'est pas très grave. Mais on avait quand même eu le petit dogma, ça fait plaisir. Du coup, en rareté, dans ces boosters-là, j'ai eu dogma. On a eu une trappe, une magie, du héros élémentaire, du néospatien et du héros de la destinée. Donc on a un beau paquet de cartes bien, bien GX, mine de rien. Donc ça, ça fait grave plaisir. Ces boosters-là, je les ai déjà ouverts, j'ai déjà les sphinx en plusieurs exemplaires, ça m'intéresse pas plus que ça de les garder, je fais pas de scellés en fait, tout simplement, comme je disais en début de la vidéo. Donc, ces trois boosters là, eh ben, je vous les fais gagner. Donc, il y a trois boosters, j'en ferai gagner un à une personne, enfin un chacun en fait, tout simplement, donc il y a trois gagnants dans cette vidéo. Pour participer comme d'habitude, c'est super simple, je vous demande pas grand chose, juste vous les aimez la vidéo, vous laissez un petit commentaire et vous devez être abonné à la chaîne, tout simplement. Je ferai un petit tirage au sort, je mets toutes les conditions dans les commentaires parce que là je fais la vidéo en live, j'ai pas les dates ni le calendrier devant les yeux, mais voilà, je mets les conditions dans les commentaires, je vous ai donné les conditions pour participer et puis ben voilà, tout simplement, vous avez rien de chose de plus à faire. Moi juste j'en ai pas le besoin, je fais pas de scellé et puis voilà, ça reste de l'espagnol, mais c'est plus pour vous faire plaisir et puis pour vous faire kiffer. Les sphinx c'était quand même plutôt cool, donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi en tout cas je suis grave content d'avoir eu, franchement, alors ça serait beaucoup mieux si c'était une ultimate hein, mais le petit dogma il fait grave plaisir, franchement il refait. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, le petit pouce en l'air, l'abonnement, vous êtes, même si vous participez pas au concours, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. On est 750, un petit peu moins au moment où je sors cette vidéo, c'est la fin de la vidéo, ça se sent dans mes paroles hein. Donc voilà, c'est grave cool que vous soyez autant. On était même pas 500, enfin on a passé les 500 au mois de décembre, donc vraiment ça explose et c'est grave cool. Ça fait super plaisir. Donc voilà, et ben écoutez les petits potes, prenez soin de vous, faites un nombre de duels et collection de cartes, et surtout à bientôt. Allez, ciao.